Transformers Studio Series Deluxe Class Hot Rod. Donc nous voici avec le packaging qui représente donc Hot Rod en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 93 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Transformers The Last Night. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork presque entier, enfin si on veut. Et de ce côté, on nous indique encore une fois que c'est le numéro 93 de la gamme Studio Series et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Hot Rod en mode robot et véhicule, se transformant en 26 étapes dans les deux sens. Ainsi que nous voici donc avec Hot Rod en mode véhicule, donc plus exactement Lamborghini Centenario. Et donc, puisque c'est le même genre de modèle que ce qu'on a eu pour le Deluxe Class de 2017, hein, de la gamme The Last Night, et bien dans ce cas, nous n'allons pas nous attarder sur l'admiration de celui-ci, mais plutôt sur la comparaison entre ces deux versions Deluxe de Hot Rod. Donc du coup, nous voici avec Hot Rod de The Last Night et Hot Rod de Studio Series, tous les deux en Lamborghini, bien entendu. Alors, il y a déjà la différence de taille. Voilà, donc on a le Studio Series qui est un peu plus court que le The Last Night. Et la carrosserie qui est devenue d'un noir plus grisâtre de ce côté. Tandis que là, c'est du noir noir, hein, tout simplement. Un noir un peu plus sombre, du coup. Ensuite, on a le logo Lamborghini qui est bel et bien apparenté comme il faut. Tandis qu'ici, il y a juste la silhouette en jaune ou en doré, comme vous préférez. Et autrefois, chez ce Hot Rod, on a eu du orange qui n'était pas tout à fait du orange. J'ai dû le refaire, hein, bien entendu, à l'époque. Et on a en fait aussi... voilà, c'était en fait du magenta, hein, tout simplement. Tandis que là, cette fois-ci, chez Hot Rod, on retrouve bel et bien du orange. Par contre, ça aurait été bien de le retrouver à peu près au même niveau que le orange de ce Hot Rod. Parce que là, du coup, c'est un peu en manque de finition, on a l'impression. Et c'est valable aussi d'ailleurs pour ces jantes, voilà, qui sont censées être silver. Là, ce n'est pas le cas du tout, hein, chez le Studio Series. Et à l'arrière, on avait pas du tout de finition. Les angles, j'ai dû ajouter du orange pour les angles et du rouge pour ses feux en sous forme de très fin. Et ici, j'ai dû être... Enfin, non. Ici, on a juste voilà, les feux là, qui sont juste peints en rouge. Mais les angles, voilà, il y a juste les angles qui sont en orange, qui ne sont même pas, qui ne sont pas peints en orange, et les pots d'échappement qui devraient être en silver au moins. Bon là, je l'ai pas fait parce que ça faisait des épaulettes en fait pour le mode robot. Et donc du coup, on a aussi l'organisation en termes de détails, voilà. Là, c'est plus trop pareil, étant donné qu'on a quelque chose de tout à fait nouveau, de totalement nouveau ici. Et que là, on a quelque chose de... Bah, c'est en fait ça servait autrefois de retool pour le Lockdown de 2014, de la gamme Age of Extinction, qui lui-même était un retool de Roadbuster de la gamme Dark of the Moon en 2011. Voilà donc pour tout ça. Et on a aussi l'aileron qui est bel et bien apparenté, voilà, au bord du coffre, surélevé, voilà, et tandis que chez le The Last Night, ah, l'aileron était présent, mais il était carrément à plat contre le coffre, enfin le bord du coffre, vous voyez. Et donc, pour ce qui concerne l'undercarriage, on s'aperçoit que on a
plus vraiment la même chose en termes d'organisation, bien que les jambes sont beaucoup plus apparentées, tandis que là elles le sont moins, bien que les bras sont sur les côtés aussi un peu, et la tête qu'on ne voit presque pas étant donné qu'elle est retournée, visage contre le ciel, entre guillemets. Voilà donc pour cette série de comparaisons. Ensuite, comparaison avec le Legion Class. Donc là, on s'aperçoit bien entendu que ces deux voitures ne se ressemblent absolument pas. Même si il y a bel et bien un aileron au bord du coffre hein, pour tous les deux. Voilà pour cette série de comparaisons. On va juste s'arrêter un instant avec tout ça. Juste pour vous montrer cette fois-ci qu'il est accompagné de son blaster stopper de temps ou ralentisseur de temps. Qui sert donc à... excusez-moi, c'est mal emboîté j'ai l'impression. Voilà, et donc on retrouve de bonnes diodes bleues là, avec un bon bleu là, pour les diodes. Je trouve que c'est bien détaillé. Hein. Et donc du coup, on a la possibilité, grâce à ce système d'embranchement, de le mettre contre le dessus, vers l'arrière un peu, de chaque côté. Et là, voilà. Donc le stockage n'est plutôt pas mauvais, cette fois-ci. Petite photo de famille avec toute la team Autobot Casting The Last Night et un séjour avec les Autobots 3. Et comme on peut le voir, on a dû mettre à jour deux TF, à savoir Drift et Hot Rod, grâce à leur gamme Studio Series. Donc les détails ont très peu changé cette fois-ci pour Drift, mais beaucoup plus par contre pour Hot Rod. Et ça, de toute façon, on le verra mieux en mode robot. Mais là, en tout cas, voilà ce que ça donne. Donc dans l'ensemble, on est quasiment à l'échelle. Et la seule chose qui me chagrine un tout petit peu, c'est Crossairs en fait, qui est un peu, qui fait même un peu trop large, si ça se trouve, et un peu trop large de partout en fait, hein, que ce soit longueur ou largeur ou hauteur, à côté de Hot Rod. Bien que la Corvette et la Lamborghini, dans l'ensemble, sont censées être des voitures assez plates. Donc, ça reste à voir si... c'est gênant pour le reste. Ça reste à voir du coup. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir tous ensemble. Avec un bon format, je le pense. Surtout concernant le mode robot. Le mode véhicule, là déjà, ça passe très bien. Reste à savoir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Et maintenant, il est temps de passer à la transformation de Hot Rod. Et donc tout de suite, on va commencer par décaler les roues. Enfin, extraire les roues pour ensuite les décaler vers l'arrière. Donc on va faire directement pareil de l'autre côté, comme ça sera déjà un truc de fait. Ensuite, on va ramener tout ça vers le bas. Voilà, ce qui va constituer l'avant-bras. Et ensuite, on va décaler le tout vers l'extérieur. On fait donc pareil. Bon, d'accord. De l'autre côté, enfin, ça va pas marcher là comme ça. Voilà, parfait. Ensuite, on va venir extraire la partie centrale du capot pour ensuite soulever le tout en attendant comme ceci. Et là ensuite, on va venir décaler les portes pour les rabaisser juste d'un petit cran, voilà comme ça. On tord le tout, on soulève légèrement le toit et on le retourne. Une fois cela de fait, on va donc venir ramener vers le haut les portes pour ensuite rabaisser en mettant comme ça le chest, enfin ce qui va servir de chest, comme ceci, et ensuite on va retourner le tout directement pour représenter le milieu du torse, enfin du ventre plutôt, de Hot Rod. Et ça là, ce qui va constituer le torse du coup, on va insérer si ça veut bien.
Alors ça soulève un tout petit peu, il y a peut-être un truc que j'ai un petit peu mal fait, ou alors je sais pas. Et ça devrait passer une fois que... Ah oui, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le bras est coincé. Comme... attendez, on va régler ça. Voilà, parfait. Et là, normalement, il n'y a plus de soucis. Ensuite, on va s'occuper du bas. Ou non, tiens, on va juste finir avec ces espèces de petits panneaux, morceaux de toit, donc, qui va... Ah bah oui, bah non, on peut pas, puisque... donc, du coup, on va faire un petit 180 au niveau du bassin. Et là, ensuite, on va venir rabattre le... ce qui va servir de dos, juste un instant, pour plier tout ça sous la vitre. Comme ceci. Et on ramène comme cela. Les petits morceaux de porte qu'on va donc ramener vers l'intérieur. Et on va donc maintenant constituer les jambes. Alors, on va séparer l'arrière du véhicule. Et de deux. Voilà. Donc, du coup, c'est pas grave. Hein. On va séparer tout ça donc. Et on va écarter la vitre arrière, encore plus, le faire pivoter dans ce sens et rabattre complètement vers le bas. On va juste remettre en place, alors c'est lequel celui-là? Alors c'est pas lui, c'est celui-là. Ouais, voilà, enfin je crois. Hein. Ouais, c'est celui-là. Alors, on va donc remettre ça en place. Et non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Et je peux plus sortir. Bon. Une fois les pièces remboîtées à leur place, on va pouvoir rabattre les pots d'échappement. Ainsi que l'aileron que l'on va retourner voilà, contre le dessus voilà, de la comment ça s'appelle, du talon. Donc du coup... On retourne maintenant la jambe comme il faut et la roue que l'on met contre nous, enfin entre guillemets, qu'on retourne vers nous, quoi, enfin, bon, dans cette configuration là quoi. Et on positionne tout comme il faut. Une fois cela de fait, on fait pareil de l'autre côté. Et par pitié, j'espère que la pièce ne va pas se déboîter encore une fois. Non, parfait. Et c'est reparti. On retourne à partir de la hanche et la roue qu'on retourne dans ce sens. Donc là, on va tout positionner comme il faut avant de passer directement à la suite. Voilà le bras et la tête que l'on va donc positionner droit et retourner. Et voilà le travail. Et nous voici donc avec Hot Rod en mode robot. Et vraiment, c'est probablement le meilleur, enfin le deuxième meilleur Deluxe Class de la gamme Studio Series après Jolt. Malgré son léger manque de finition au niveau des bras et du plastron, et même aussi de ses jambes, je pense que on a vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein, vraiment exceptionnel, avec la tête voilà, qui est un petit peu plus arrondie cette fois-ci, et même le torse qui est cette fois-ci bien dodu, et même les bras voilà, qui sont bien, comment dire, bien fichus cette fois, hein, vers pas mal de détails, hein, même au niveau des mains, voilà, les roues qui sont bel et bien... bel et bien de couloir et les roues qui sont cette fois-ci les autres roues qui sont cette fois-ci au niveau des jambes, vous êtes les roues arrière bien entendu, et puis le bas des jambes jusqu'au pied qui correspond vraiment à Hot Rod et non pas à Lockdown comme c'était le cas chez le Deluxe Class de l'époque qui était du coup le retool du Deluxe Class Lockdown dont il était inspiré.
Voilà, donc on peut lui donner n'importe quelle position cette fois-ci. On sait qu'il va tenir debout. La preuve, hein, je vous ai bel et bien présenté Hot Rod dans une position quelconque. Et là, franchement, c'est bluffant. Enfin bon, bien entendu, je dis ça, mais parfois il y a des limites, hein. Ça dépend de quelle position on veut lui donner, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est quand même génial d'avoir quelque chose de beaucoup plus fidèle au film qu'est-ce qui n'y paraissait auparavant. Et là, franchement, c'est juste bluffant. En termes d'articulation, on a donc du coup la tête, voilà, qui me posait autrefois problème lorsque je l'ai reçue, et qui du coup qui était vachement difficile à faire bouger de gauche à droite, mais que finalement j'ai réussi à débloquer cette espèce de solidité là, un peu, qui était vraiment dure à cuire. Et donc ensuite on a au niveau des épaules, voilà, les épaulettes qui sont donc creux, hein, mais voilà, c'est un esprit de sacrifice certainement pour la transformation et aussi pour la, comment ça s'appelle, les articulations du coup. Voilà, on a même vers l'avant, vers l'arrière, hein, bien entendu, hein. Et au niveau du coude, hein, attends, d'abord il y a ça, voilà, au niveau du coude. Et puis au niveau de la poignée, et oui, cette fois-ci, nous avons le droit à une bonne articulation au niveau de la poignée, mais aussi au niveau du bassin, qui est plus dû à la transformation, certes, mais aussi on a le droit à une articulation au niveau des hanches avec les jambes, hein, même sur les côtés, JCVD, et aussi au niveau du genou. Et donc pour accentuer de plus en plus le genou, il faut décaler légèrement la roue. Et là, du coup, on a affaire à une articulation bien fichu, vraiment beaucoup plus exploité que chez le Deluxe de l'époque. Et on a le droit à une articulation au niveau de la charnière basculant vers le bas et l'arrière, et sur les côtés grâce à un système de ball joint qui se trouve juste en dessous. Vraiment bien fichu. Comparaison du coup avec Hot Rod de The Last Knight. Voilà, donc on s'aperçoit que le Studio Series est bien meilleur que le The Last Knight, hein, il faut quand même l'avouer en termes de configuration. Le torse a l'air un peu trop plat, la tête est bon, bien faite, hein, à l'époque, mais là c'est encore mieux fait, hein, du coup. Les bras ont l'air petits chez le Studio Series, mais au moins ils sont dans de bonnes proportions par rapport aux autres. Tandis que là, les bras ils sont effectivement d'un côté trop longs. Voilà, il a de trop longs bras. Il a des grandes jambes, certes, mais ça, c'est le cas, il a aussi de toute façon, mais c'est pas le problème. C'est juste qu'au moins, là, on a vraiment quelque chose de plutôt. Enfin, là, on a quelque chose de plutôt positif, du genou au pied. Tandis que là, bon, c'était pas vraiment le cas, puisque à l'origine, voilà, c'était plus les jambes de Lockdown et les pieds de Lockdown à l'époque, de bien entendu de la gamme Age of Extinction de 2014. On a vraiment quelque chose de. Ben, de pas efficace pour ce qui concerne le fait de lui donner des positions, bien que celui-ci ne tiendra jamais debout, sauf si on le met comme ça. Alors que lui, on a beau le mettre n'importe comment, il tiendra debout sans aucun problème, il ne tombera pas du tout. Et même de dos, hein, franchement de dos, on s'aperçoit que le résultat est vraiment génial. On a les portes, voilà, qui sont penchées vers le bas et accrochées au dos, tandis que là, on aurait pu avoir la même chose, par exemple, par un système de charnière, voilà, qui rabaisserait les vitres. Mais le problème, c'est que ben je sais pas trop si ça aurait vraiment été génial également. Comparaison ensuite avec Bumblebee de Raven the Fallen. Et donc là, on s'aperçoit que cette fois-ci, Hot Rod est plus haut que ce Bumblebee-là. Donc, ce qui voudrait donc dire que il serait à peu près de la même taille que Drift, Bumblebee et Crosshairs de la gamme The Last Knight, théoriquement parlant. Là, en tout cas, dans cette taille-là, ça passe très bien. Enfin, du moins pour l'époque concernant Bumblebee. Comparaison ensuite avec le Legion Class Hot Rod de The Last Knight. Comparaison avec ensuite Bumblebee de Transformers 5. Comparaison avec Drift. Et comparaison avec Crosshairs de The Last Knight. Et là, donc, du coup, avec cette série de comparaisons de ces trois TF venant de la gamme The Last Knight, principalement,
Et bien on s'aperçoit effectivement que tous les quatre dans l'ensemble sont de la même taille, quasiment. Il est juste un tout petit peu plus haut, hein, et un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu. Voilà en tout cas toute la team Autobot en mode robot, bien entendu, pour le troisième séjour avec les Autobots, mais aussi, surtout, pour Transformers The Last Night en casting. Et là, on a vraiment quelque chose de génial. Voilà, on a donc deux studio series parmi tout le reste qui vient de la gamme The Last Night. Voilà, donc ça fait pas du tout bizarre, ça rend le concept encore plus génial que ce n'était auparavant, surtout concernant la configuration de Hot Rod. Bien que là, on a quelque chose de très fidèle au film, tandis que pour le reste, ben, c'est quasiment, c'était déjà le cas, hein, quasiment. Maintenant, Cancer, je l'aime bien tel comme il est, mais après, peut-être que le studio series, je le verrai peut-être autrement une fois que j'aurai fait mon fameux challenge. Dernier gimmick avant de conclure. Son blaster stoppeur de temps ou ralentisseur de temps, bien entendu, que l'on peut mettre dans la main. Comme ceci, voilà, prête à stopper le temps ou à ralentir le temps. C'est comme il veut. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis, et surtout si ça vous a plu, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus!